Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon 2, le quatrième. C'est parti, on va aller direction l'hôpital. Hein. Ouais, je considère les variables. Hein. Voilà. Bon, les variables, je les ai pas considérées celles-là, mais c'est pas grave. 94. Ouah, mais ça consomme, ça part trop vite. Non, mais on va l'avoir la. Burp. Très vite, la bouteille. Ok. Ah, donc ça doit être ça. En fait, quand ça doit être des trucs de dialogue comme ça, c'est des dialogues de Quirk. Du coup, peut-être que s'il y en a certains qui l'ont en commun, même si c'est négatif, ils doivent apprécier. Bon, ça, on s'en fout, parce que tous nos personnages, ils sont à peu près heal. Ça, ça fait quoi ça... Ah. Mais ça, on a plus. C'est vrai que ça va plus être pas mal. Plus de résistance, bonus de résistance au feu, pas la brûlure. Bon, avant c'est ça que je veux moi. Ah ça c'est plus 10% de dégâts. Hein. C'est pas si dégueulasse. Ça par contre c'est très bien, hein. Mais bon. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de le lock. Ah ouais, 32 hein. Connaissance par-dessus tout. Est-ce que ça on virerait pas ça? Ça on pourrait virer hein. Faut qu'on vire tout sur elle. Putain, on avait viré le premier truc. Ouais. Ouais, toi ça m'intéresse pas que t'aies plus 8 de speed. Even the worst habits can be overcome. Ça on s'en fout parce que de toute façon. La bouffe. En fait, le jour où on trouvera de la bouffe utile, ouais, mais bon, voilà quoi. Ok. Ouais, j'en achète qu'un, hein, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas de baume anti-brûlure. Tonics. Tinctures and remedies. The science of hope. De toute façon, elle a pris, j'ai plus assez. Ok. Non. Au revoir. Au revoir. Ok, voilà. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé dans tout ça. Juste, du coup, faut que je fasse. Ça. Voilà. Et bon, on a des baumes anti-brûlure, ça me servira, je pense. Ah mais non, mais c'est ça que toi, que t'as. Ah ouais. Ok. Bon, bah, on en a un rab. Prends ça plutôt, toi. Ok, 15 sur 37, on est large. On peut y aller. Vers ça. Ça me va. Ça me va très bien. Genre, bon, voilà. On va essayer de mieux gérer le stress. Par contre, combat. Par contre, les combats, c'est parti. C'est un combat de cultiste, du coup. Ennemi titanesque, plus 30% PV max. Je crois que de toute façon on avait dit qu'il fallait qu'on commence par focus ça. C'était le premier combat qu'on avait eu quoi, hein, ça. Ça s'était pas très bien passé. Mais on avait réussi à gagner. En plus ça met ça. Mais non, mais non, non, mais non, mais ça va t'arranger, ça va t'arranger. Je t'assure, ça va t'arranger. Ouais, par contre, c'est vrai que je lui ai laissé ça. Moi, je voulais lui laisser la speed, mais c'était peut-être pas une bonne idée. Hein. Pour ce que ça en fait. C'est vrai que dès qu'elle prend du stress. Ah, et mélange, c'est pas qu'elle qu'elle part à l'autre bout du groupe. Ça doit être ça, en fait. Je crois que je viens de comprendre. Bon, toi, l'eau d'anam.
Non, mais ça fait ça, ça. Ah, il y avait ça, sinon je pouvais faire. Ça aurait été mieux. Dégage. Faut que je focus celui de devant là. Hein. Le problème c'est que 50% de touche quoi. A little help, impeccably timed. Non. Bon. Miscalculation, perhaps. Ah, c'est plus qu'à eux de jouer là maintenant. On va s'amuser. Là, on attend. Hein. Non mais bon, c'est malheureux mais tant pis, c'est pas grave. Ah, il a plus le combo. Là ça avance, je peux pas. Faut que je fasse ça. Ah oui, ça l'est. Non, ah oui, c'était un pourcentage de chance que ça leur mette la marque. Je crois. C'est ça, hein. Attendez, on... Ouais, 33% de chance. Parce que ça aurait été incroyable, hein. Prends combien, là? 5. Ah, mais il a une résistance à la mort, en plus, ce petit bâtard. Ça va. The slow suffering begins. Faut que je fasse soutien au prochain tour. Ouais. Bravo, c'est bien. C'est bien, ils sont neutres. Je vous défends, bravo. Ouais, continue. J'aurais bien aimé un crit. Ok. J'aurais bien aimé un crit, mais ça, ça me va. Oh, le double. Ah, bah oui, mais oui, le double crit. Bah oui, oui. Eh oui. There is comfort in company. There is comfort in company. Allez. Allez, on va, ça va aller. Le problème c'est que lui il a 6 PV donc je pourrais même pas le tuer même avec ça. Le crit sur le bandage c'est bien. Bravo, bravo, continuez comme ça. Continuez comme ça, je vous en supplie. Bon, il y en a un qui a pris l'infection. Allez. Toi, t'es mort prochain tour au moins. Non, bah t'es mort là, c'est bien. Râle pas. Ils sont compliqués eux. Hein. Y a pas de limite de tour hein. Contre eux, c'est tout ou rien. Hein. C'est tu crèves, c'est ouais, marche ou crève quoi. Non, c'est. Ça m'ennuie. Hein. Oh oui. A brilliant conclusion. Ouais. Je vous punis par le sang, bravo. Ah, comme lui, là, ça doit être lui qui a mis la marque. Ça améliore leur relation. Ça, c'est bien aussi. Bravo. Continuez comme ça. Non, mais ça me va.
qu'on le tue, hein. Faut qu'on le tue impérativement. Allez. Allez, on le finit. Ah, la riposte, hein. C'est merveilleux, la riposte, hein. Par contre, c'est moins merveilleux. Le problème c'est que je fais que 50% de touche, quoi. Ouais, mais lui aussi. Ça passe. Allez, s'il te plaît, finis-le. Merci. C'est bien, c'est bien. Continuez comme ça. Aimez-vous, je vous en supplie. Le jeu il me troll aussi, qu'est-ce que je vous dis, le jeu il me troll quoi. Par contre toi c'est bien, t'es devant mais ça sert à rien. Une miscalculation perhaps. Ouais, 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 mauvais calcul, ouais, 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 pas sûr, ouais. Ouais. Mauvais calcul. T'as cru quoi, toi? Non, non, le vertige, non! Pourquoi ça pas... Ah non, 50% de chance, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus 50% de crit. Pour ça, pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Ça se passait presque bien. 3. 3, il a 4 PV, je le déteste. Ça, ça fait des dégâts? Non. Allez pas, merci. 3, ouais. Non, ça, ça pour le stress. Voilà. Là, on heal. Toi. A little help impeccably timed. Parfait. On re-heal. A little help impeccably timed. Non, encore le stress, hein. Mais je crois que c'est un moins 5. En fait, c'est tout ou rien, pareil, le 50%, c'est pas sur chaque. Ça, on... On l'a déjà, ça, du coup. Plus 10% en résistance de déplacement, bah tiens, prends ça plutôt toi. Je peux pas avoir deux fois la même breloque. Ils ont tous des breloques. Ouais. Alors oui, si, ils ont besoin d'objets de combat. Par contre. Bon, on s'en est sorti. Et on a gagné une cultiste battle. C'est beau. Tiens, prends ça toi. Toi, c'est toi qui a... Ah, toi, c'est bon. Et donc, toi, tu vas prendre... l'Aubenet. J'en ai qu'une, mais bon. Allez, zo. 70 lieues avant l'auberge. Hein. Non, mais non. S'énerve. Ça y est, s'énerve. Oh, dispasse, les dispasses, tu me saoules. Ça y est, il s'embrouille avec tout le monde. Ah. Du coup, j'ai fait baisser directement le loafing. D'accord, moi je pensais que. Je pensais qu'il y avait d'autres trucs que ça. Mais non, je pensais aussi que. Je sais plus. Du coup, je sais plus. Mais merde. Oui.
Voilà, que le low-sync, ça se baissait au niveau des auberges. Mais en fait, non. Ça se fait en temps direct. Cette gemme est précieuse. Avec ceci en notre possession, nous serions imbattables. Allez. Je crois que le suicidaire, il a été content. Non, c'était pas le collecteur. Non, le collecteur, c'était juste un boss qui pouvait popper comme ça. Non, ouais, c'est vrai que non, c'était beaucoup plus vénère. Après, est-ce que c'était vraiment ça? Bon, pas de stun. Ça tombe bien, on joue pas trop sur le stun. 40% de chance de résister à l'infection. Évidemment. Ouais. Et il a 50% de chance d'agonie. Après, ah, ça peut... Bon. Ça commence pas si mal que ça. On va faire ça par contre. Hein. Non. Au moins ça a infecté. Non. Non, parce que là je pense qu'on va prendre cher en stress. Ah non, il a pas pris de stress en moins, lui. Plus de stress, plus un stress. Ça y est, il a invoqué des sbires. Standard de furtivité. Furtivité. Oh, ça c'est bien. Ça c'est moins bien. 30% de résistance au malus. Hein. Oh, il a la marque. Je sais pas si je l'utilise au bon moment, mon eau bénite, mais... 20% de chance de rester au déplacement. Parfait. Pas de bonus avec la... Si j'ai ça, mais c'est que sur le tir à bout portant, quoi. Pas si mal. L'avancée putride. Non, mais non. Ouais. Allez, 21 PV. Bon, ça va. Lui, il faut qu'on le heal. Ah, on choisit. Je croyais que c'était forcément sur moi. Mais ouais. Dans tous les cas, c'est toi qui vas le prendre. C'est décevant. Oh, le crit qui fait plaisir. On met tout sur ta gueule. Hein. Tout sur ta gueule. Hein. Quatre à huit.
Bon, il est... Ah non, il est pas mort prochain tour, mais... agonie, quoi. Ah, le 50%, il va être insupportable, hein. Après, si ça... Si ça kill on crit... Si ça kill on crit, on a une chance. Bon, ça a pas crit, mais ça a kill. Ça meurt pas ? Dégueulasse. C'est dégueulasse, ça. Ça, par contre, c'est dégueulasse, ça. Vraiment. Ah, j'étais convaincu que ça allait les dépop, hein. Mais non. Quel enfer. Non, c'est lui qui joue. Voilà. Can make all the difference. Là, ça vous a pas rapproché, ça vous avez fait un beau combo, hein. Sert à rien, ça sert à rien que je fasse ça. Fais un truc. Voilà. Mais non, mais calme-toi. Rapprochez-vous, vous. Non, non, ça marche pas, ça. Définitivement, ils veulent pas. Hein. Bon. On commence par ça. Ouais, tu continues. Hein. De toute façon, oui, voilà. Steady yourself. Ah ouais, 18 à 14, hein, le 50% de dégâts. Cruelty and callousness have claimed dominion here. Excellent work. Ah ouais, il est mort. Merci. There is comfort in company. Ok. Scavenge what you can and be off once more. Alors, j'ai pas bien vu ce que j'ai eu, mais. Mais on est d'accord que c'était nul? Non? J'ai eu ça. Et j'ai eu de l'or. J'ai 8 d'or, c'est ça? Ouais, j'ai rien. Hein. J'ai rien de ouf, là. Hein. C'était extrêmement décevant, en fait. Alors, si, normalement, ils ont dû gagner tous un truc. Non, ils ont pas gagné de... Ah bah si, oui, ils ont gagné de la haine entre eux, oui. Ça, oui. Ouais, non, ils ont pas gagné de points d'aspect, hein. Enfin, de traits. Bon. C'était pas très worst, hein. Je... On a réussi, mais... On aurait dû fuir, hein. On aurait dû complètement fuir. 44 de torches. Pillaging brigands, enriching themselves as the world collapses. Est-ce que ça va être encore des élites? Contagieux. Moins 25% de résistance. Attends, c'est eux qui ont moins 25 ou c'est mes persos?
Ah oh ouais. Mais c'est les brigands du 1, ça. Putain, je sais pas si on les a déjà croisés. Mais je viens de capter en tout cas. Waouh. Trop marrant. Bon, on fait quoi? On fait ça. Sympa. Bah oui, c'est sympa, t'as vu? T'as vu, c'est cool. Ah oui, mais toi, tu peux pas toucher la position 4. Peut-être pour ça que t'es en mode... Ah ouais, c'est cool. Je sais pas si ça peut jouer, ça. Pas de résistance à la mort. C'est beau. C'est ce qu'on aime. C'est ça, oui. Steady yourself. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui lui a donné ça? J'ai oublié de mettre les objets. Dans le flou. Oui, alors du coup, oui, j'ai pas regardé ce qui se passait, mais je me doute pas que tout va bien. Voilà, bon, il a riposté, quoi. La dose de dégâts, quoi. Voilà. Écoutez la voix. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Continuez comme ça. Steady yourself. Ça fait si mal. Suffering begins. Dragged back from the brink. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bon. Ils sont rabibochés. Enfin, c'est ça, hein. Ils vont mieux, là, hein. Ils sont neutres, voilà. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bon, c'est vrai. Heureusement. Voilà. On essaye de tempo comme on peut, hein. Par contre là il résiste plus, il protège plus, hein. Ouais, je peux le refaire protéger, ceci dit. A little help impeccably timed. Mais putain, il vient de te soigner, espèce de bâtard. Tant pis, on n'utilise pas la riposte, mais là c'était pour la position. 4 sur 5, hein. Faut que je fasse gaffe. Bon, ça devrait aller, ceci dit, mais... Voilà. Non, ça. Pénible, t'es pénible, t'es pénible. Charge épuisée. Bon bah, ça règle la question de est-ce que je fais l'étal ou pas. Ah bah non, je fais pas l'étal puisqu'il a résisté.
Coca. Bam. In this world, wealth is worthless without purpose. L'OSC est trop bien. Vraiment. Ouais, ouais, bon. On s'en sort encore un combat, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Tiens. Toi, t'es le gardien du stress. T'es le garant du stress. Voilà. Non. Voilà. Comme ça, c'est bon. Hôtel de réflexion. Le lourd. On va voir si on peut choper le... Parce qu'il me semble qu'il a une riposte, lui aussi. Man at arms. Une promotion prématurée. A premature promotion. Alors, est-ce que l'or ou combat? The politics of a military career are perhaps as treacherous as war itself. Though untested in combat, his acumen for advancement was unmatched. Through a dubious campaign of influence and intimidation, he had at last claimed a coveted command. And was eager to bask in the glory of the victories that were sure to come. Ouais, mais quelque chose me dit qu'il était pas prêt, le vieux. Parce qu'il avait encore ses deux yeux à l'époque. Là, il est en mode, ouais, c'est bon, ça y est, maintenant je suis commandant. Puis ensuite, ça tourne mal. Bon, le beuglement, ouais. Enfin, attendez. Ouais ou ouais? Ah, ça retire... Non, ouais, ça retire la riposte sur les... Ah, c'est quand même bien. À la place de quoi? Ça, on l'utilise trop. Ça, c'est bien. Ça, je l'améliorais, donc c'est con. Donc ça. Et finalement, il est moins bien en 1, hein. Tiens, on va mettre ça de base comme ça. On va faire comme ça comme compo. On verra. Attention, c'est Dismas qui régira le tempo. Mais commencer avec le... On va essayer de commencer, tiens, avec ce coup-ci avec le pistolet. Pour le prochain combat. Tandis que 59 lieues avant l'auberge. Et mes persos se détestent. Mais en vrai, c'est trop stylé, hein, au niveau des zones, hein, d'ailleurs. Pour l'instant, au début, j'étais un peu étonné, on va dire, par la DA. Et puis franchement, c'est trop stylé. Hein. Ennemis déchets. Pourquoi ils sont tous en élite là? C'est ça. Ah, mais oui, ça doit être ça les avantages. Plus 1% de dégâts. Hein. Bon, elle est furtive. Sacrifice. Âme perdue. Oui. Le truc, c'est qu'au début, du coup, je fais pas ma riposte, quoi. Mais bon, voilà. Je peux commencer en faisant ça, quoi. J'aime pas ça. J'aime pas l'idée. J'aime pas cette idée-là non plus, hein.
Voilà, c'est pas mal ça. Battons ensemble. Oui, c'est bien, bravo. Ok. Ah oui, j'ai jamais heal. Je suis vraiment un connard. Il avance. Ça, c'est bien. Ça me va. Ça, ça me va pas trop. A little help impeccably timed. Parce que du coup, ah, on a pu voir, ouais, ils pouvaient pas l'attaquer en fait. Est-ce qu'on peut voir du coup les mobs qui peuvent attaquer quand ils attaquent? Ce serait intéressant ça, de voir un peu les ce que peuvent faire leur attaque exactement. Ouais, calme ton stress en premier. Le problème, c'est que tout le fait avancer. There is comfort in company. Ok. Lui, il est mort. Donc, il reste plus que lui, hein. Ah oui, lui... Non, mais lui, il est mort aussi. Oui. Oui. Ok, bon, c'est bon. Non. Non, ne heal pas l'ennemi, non. Pourquoi? Pourquoi il te revenait? Pourquoi tu m'emmerdes? Ok. Putain, j'ai envie de grid maintenant. Des livres calcinés. Ah, c'est ok. J'ai envie de voir. On apprend, de toute façon c'est comme ça qu'on apprend. Ennemi vigoureux. Ah mais non, ça c'est les trucs de l'antre, ok. Plus 25% de résistance à tout, hein. Ah ouais. Ok. On va s'amuser. Les animations sont excellentes, hein. Brûlure. Ah, c'est juste un nouveau dot, quoi. Je pensais que ça pourrait avoir une utilité pour les cadavres, mais... Calme-toi. Il regagne le vertige. Ah, mais on s'en fout. Ah, il jouait deux... Oh, bah, tabassé, il joue deux fois en plus, c'est bien, hein. Tout cassé, hein. Voilà, il a fait 4. Il peut faire 15, et oui, comme il peut faire 4, quoi, c'est bien. Bonus.
Plus 1 de speed. Apply un hit, 1 de brûlure. C'est cool, hein. A little help, impeccably timed. Comme quoi, je savais que ça allait servir. Voilà, bravo. Ah, il a plus son... Moi, j'ai peur de ça, là. J'ai affreusement peur de ça. Ok, il est mort. Ok, il est mort. C'est bon. À la limite, bon, ok. Le feu s'élève. Il gagne de l'attaque. Bien sûr. Pourquoi il joue 12 fois? Pas assez pénible. Ah, puis là, il y en a 2. Allez. Ah oui, il se buff au fur. Ok, d'accord, il faut le focus coûte que coûte. D'accord, j'ai compris. J'ai pas le temps de setup ça. The slow suffering begins. Ok. Non, mais arrêtez. Ah mais non, je peux pas, du coup il faut que je fasse ça, parce que sinon il a pas son... Il aura encore son malus au prochain tour. Il faut qu'il puisse jouer. Là il est dans le flou, ça c'est bien. Là par contre c'est très bien. Dragged back from the brink. C'est horrible. Parce que là, il va se rebuff. Du coup, en plus, il joue de plus en plus vite. Merci. Bon, il résiste, hein, par contre, hein, mais... Bûcher funéraire. Quoi? Putain, j'aurais dû détruire le cadavre. Non. Eh ben rip, hein. Là je pense que là il y a un rip à mon avis, hein. D'au moins un perso, hein. Je sais pas encore qui, mais c'est compliqué, hein. Le moins 3 speed, c'est pour moi ou c'est pour eux? C'est pour eux, mais ils l'ont pas pris. Ne meurs pas s'il te plaît, merci. Non. Heureusement qu'il y a Corvo, hein. The slow suffering begins. Insupportable. Je m'en allais. S'il te plaît, sois infecté au bout d'un moment, merci. Vu que tu joues 15 fois.
in company. Tous les bonus de ta vie. Merci, merci. Et là, je fais quoi? Il a combien en agonie? Mais non, 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 mais non, mais commence pas! Mais qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu touilles? 33%, vraiment, mais le chiffre du démon! Lui, il en a 25, ah ouais. Super. Bon, faut pas déconner non plus. Mais le félicite pas lui là. Ou alors il a félicité 10 passes en avance, mais bon, connard. Ouais, vas-y, je te protège. Bon. Normalement c'est bon. Normalement ça va. Alors par contre là toi tu... Après il a combien? Il a 7 PV. Ah mais il a 50% de chance de résistance à l'infection. Ça, ça peut tuer et ça peut... Ah ouais mais non. Non mais en fait dans tous les cas... Non 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 mais... je te laisse pas cette chance là en fait. C'est mort. Tu ne feras pas ça. La brûlure à 3. Il lui reste 3 PV. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. Là, il rentre juste en agonie. Je veux dire, il est aux portes de la mort, bordel. Oh, sur chaque kill, tu fais une action. Putain, mais c'est trop fort, mais bon... genre là, si je reste, si je ne vais pas je vais pas aller directement à la mort, quoi. J'ai un mec qui a 0 PV. Ah non, ça là, ils sont heal automatiquement un peu, quand même. Bon, remettons des objets. Quel enfer, quoi. Attends. We must keep moving. Ouais, c'est bon. On prend ça, effectivement. Oui, il y a un combat. Mais non, mais... Quel enfer. Et l'autre qui est... Mais attends, mais pourquoi elle est encore ivrogne? Je lui ai pas enlevé ça? Elle est juste malade? Ah merde. Ah, c'est la mauvaise digestion? Ah, ça doit être ça. Ah mais oui, parce que la nourriture, c'est aussi pour le heal, j'imagine. J'imagine du coup. Bon, des mobs plutôt standards. Ça devrait aller. Ils ont... Oh bah si, ils ont quand même... ils ont quand même un bonus parce que bon... Ah ouais! Ah oui, j'avais pas vu la lumière en fait. C'est un peu compliqué là. Early results are encouraging. Ça c'est bien. Voilà. Bon, au moins il prend rien. C'est nouveau ça. Vous connaissez pas cette attaque?
Non, je m'en rappelais pas. Vas-y, 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 déchaîne-toi, vas-y, fais-toi plaisir, hein, vas-y. Ça devrait passer en termes de tours. Oh, mais non! Calme-toi, s'il te plaît. Bon bah d'accord, d'accord, ça va, j'ai compris. Ah mais il a 75% de chance de résistance. Ouais, il l'a pris avec 75% de chance. C'est beau. C'est beau parce que du coup j'ai rien vu venir moi. La résistance à la maladie. On est content. Oh, c'était quoi la... C'est la rage. Est-ce qu'il y a encore la rage? Ce serait incroyable, ça. Celui-là, elle lui revenait. C'est elle qui l'a empoisonné. C'est un miracle qu'elle l'a empoisonné. J'ai pas fait le... J'aurais dû faire mon objet. Mais bon. Aïe. Ouais, il pourra pas bouger, de toute façon. Dans le flou. Par contre, dans le stress. Bravo. Là, il l'a pas volé. Ah, parce qu'il avait pas joué avant. Peut-être pour ça. S'il avait déjà fait son tour dans la, son action dans le tour. C'est bien ça. Notre ligne ne lâchera pas. Mais oui. Exactement. De la bouffe. Le D... c'est un D quoi? C'est un D20 ça? Ouais, c'est un D20. Le D20. Imaginez ce pouvoir déployé en combat. Hein? Effet de PV variable. Attribut. Ah ouais, non mais d'accord, c'est même pas un, c'est pas un combat. Certains angles semblent s'ouvrir sur le futur. Découverte. Le problème c'est que ma flamme elle est à 14. Après dans tous les cas, dégâts de stress. Putain, mais moi, la découverte, là... Ah, j'avoue que la découverte, vous voyez pas bien, mais... flamme et découverte, là. Donc, je perds la flamme, mais je gagne en découverte. Par contre, je gagne du stress. C'est ça qui m'embête. Après, ça, c'est un effet de PV variable, quand même. Non, mais vas-y. Dévote. On a découvert quoi? Onward. Elle est au service d'un pouvoir supérieur. D'accord, c'est ça sa découverte. Ok. Il faut... Alors, j'aurai à mon avis un combat de cultiste avant, donc il faut que je survive à ça. Mais il faut que j'aille là. J'ai vraiment zéro moyen d'améliorer ma torche. Ouais. J'ai rien que je peux utiliser maintenant. Bon, je sais pas où vous voulez aller, mais moi je vais là, hein. Pas de choix, pas d'avis. Ça m'arrange hein, pour une fois. Parce que là, Baristan, il est mal dans le... il est en mal de stress. Oh bah, c'est mort. C'est mort. Et ils sont en envie l'un de l'autre. Superbe. Bravo Baristan.
La crise de Baristan. Alors qu'elle est, elle est longue la jungle, hein, quand on prend beaucoup de temps. Non mais faut qu'on gagne de la flamme. Waouh, hein. Quelques reliques nous. D'accord, alors il y a un cas où on donne beaucoup. Ouais, on donne moins quand même. On gagne autant de flammes. Moi je prends ça. Hein. Désolé, désolé le vieux, mais. C'est un truc d'auberge, ça. Think carefully. Today's oversight is tomorrow's regret. Faut que j'aille où là? Procrastination of the inevitable. On va aller là. Utility itself. On va aller là, là. Hein. Ouais. Baristan, il va être content, tiens. Bah, j'espère. J'espère que c'était bien le bon random. The hooded watchers howl to their horrid kin. Bon, déjà, on a réussi un peu à améliorer notre torche, c'est un miracle. Ouais, 22. Hein. Améliorer la torche. Sa Majesté! Écorcheur, fouetteur. Ok. Merci. Ok. Déjà. Et non. Putain, il a esquivé. Non. Et oui, du coup, oui, bah oui, bah en fait, oui, du coup, je comprends mieux pourquoi il a esquivé, mais. A promising development. Ouais, parce que voilà, elle jouait. Et elle voulait le last blow. Moi, c'est ça que je focus, hein. J'ai pas touché, mais c'est ça que je voulais focus à la base. Hein. Ouais, j'ai jamais utilisé mon baume anti-soin. 4 pour un tour. Ah, c'est 4 en plus, hein, mais bon. Demandé, je me suis dit bon, ils le feront pas, bah si. Hein. Tu l'as cru, hein. Tu l'as cru qu'ils le feraient pas. Hein. Il esquive tout, il esquive tout. Pétard mouillé, va. Ça se passe pas bien. Mistimed, misdirected. Lethality writ large. Ouais. Eh ben on est bien. Et l'autre qui tonne par dessus quoi. Ouais, ça la déstresse, hein. Let us hope they find peace.
Ah, ça peut pas durer, hein. Eh ben, rip Corvo. Mistimed, misdirected. La fin. Ouais, même le jeu, il le sait là. Hein. Ouais. Ça va être compliqué, quoi. Bon, en fait, le truc, c'est qu'on a perdu le healer. On a perdu un énorme potentiel de dot. Et on est plus que 3, quoi. À 4 sur 5, hein. Bon, toi, t'es mort. Ah non, t'es pas mort. Donc, j'ai pas le choix. Bravo. C'est bien, attaque le cadavre. Voilà. Laissez-le partir, dernier tour. Hein. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est mort. Ça, STP. Merci. Voilà, bravo. Entendez-vous bien, vous êtes plus que 3 maintenant. S'il vous plaît, améliorez vos liens. Le problème, c'est que là, du coup, il faut que j'arrive à mettre 13 points de dégâts. Ah bah c'est mort. Bah du coup c'est mort. Parce que le dot a pas suffi. An unexpected find. Bah si on a récupéré les loots. Ouais voilà, l'avantage c'est que du coup, ils auront moins de malus de relation. On a perdu Corvo quoi. Mes résistances. Est-ce que j'ai besoin de... J'ai quoi comme breloque là? Plus de speed, plus de dégâts. Non, on garde. Ça, on garde. Ça. Ouais. Bon, ça, ouais, on a besoin de tout ce qu'on a, nous. Et bah, on est à 40 lieues de l'auberge. On va continuer jusqu'à ce qu'on arrive ou jusqu'à ce que ça se passe mal. Hein. The fanatics feed themselves to the fire. Their flesh melting like candle wax. Heureusement que vous êtes là. Bravo, c'est bien. A place of research and inquiry. A monument to a once prestigious career. Alors lui, il veut regarder, ça me consomme 10 de flamme, j'ai plus que 10 de flamme, c'est mort. C'est dommage parce que non, c'est mort. N'existe-t-il pas un coffre que nous pourrions forcer? Ouais. Non, j'ai besoin du peu de torches que j'ai. Et là, il faut que j'aille à l'aide, mais j'ai un combat en route, quoi. Compliqué, hein. The flame sputters. You must give hope to get it. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je peux cliquer? Genre la torche bleue là. Le lampadaire là. Enriching themselves as the world collapses. C'est vrai. C'est compliqué hein. Zéro de lumière. Pardon?
Ah ça c'est quand même très c'est trop marrant ça. Le perso, bah oui non mais en vrai le perso il est tellement inutile, autant le foutre parmi les ennemis, je veux dire c'est vrai que bon au moins on sera content pour la tabasser quoi. Oh merde. Mais par contre c'est quoi cette formation là? Ah bah oui j'étais pris en bonne embuscade. Y'a pas de limite de tour là. Protégez-moi, bah ouais. À 60. Ah ouais, ouais, ouais. Steady yourself. Ah mais toi tu profites bien de la mé. Ouais, tu profites vraiment méga bien de la méta en fait maintenant. Donc, ah ouais, c'est génial en fait. Ouais, ouais. Ok. Bon, le stun c'est bien. Oui voilà. Ah ouais l'embuscade du coup c'est l'avantage ennemi. Ok donc d'accord on pourra pas avoir embuscade plus autre chose sur les ennemis. Merci. Ok soit on en parle plus. Mais non mais non. Ah, par contre, elle le surbuff là. Ah, elle est insupportable en fait. Ah, ok, si ça lui a consommé quand même le truc. Bon, au moins ça l'utilise son esquive. Non? Ou il en avait peut-être deux. Ouais c'est bien mais ça ignore le. Ah mais si ça ignore ça. Ouais. Ah, ça sent la fin. Ça sent bien la fin quand même, hein. Oh, s'il te plaît, meurs pas. Pas tout de suite, pas comme ça. Ah oui, non, mais il joue avant en plus. Je te protège. Ils ne vous tueront pas, tu te tueras toi-même. Parce que j'ai rien pour empêcher le saignement. Et l'autre qui lui fout des balus sur malus, mais putain, j'en peux plus. Tiens, elle a combien de résistance? 25 de résistance à la mort, eh bah ouais. Évidemment, évidemment. Ça continue encore et encore. C'est horrible. Hein. En fait, elle profite énormément de la méta, elle. Hein. Y a vraiment aucun souci. Hein. Du coup, on te la met en ennemi parce que là, elle est bien chiante. Là où elle aurait pu enfin servir à quelque chose éventuellement. Bah non. Après, ça reste toujours un perso inutile dans ta compo. Hein. Mistimed, misdirected.
tu veux que je te dise, ils font aucun effort aussi, ils font aucun effort, aucun effort. Résiste. Ah, elle a changé de garde. Parce que pourquoi pas. Ah non, je voulais pas faire ça. Ah, elle attaque. 9 de dégâts. Genre depuis quand tu fais 9 de dégâts toi? Pour l'instant il est toujours en vie hein. Je sais pas comment mais il est toujours en vie. Bravo. Il est plus protégé. Ouais, continue de auto-care de toi-même uniquement. Et l'autre qui est jalouse, quoi. Allez. Mais non. Putain, mais en plus elle aurait pu soigner elle. C'est la seule qui pouvait soigner. J'ai grid. Non mais j'ai trop grid avec elle. En vrai j'ai trop grid mais bon. Ah, ça cancel plus maintenant le stun. Ça cancel plus la protection, c'est fini cette époque. C'est trop bien, c'est trop facile comme mécanique ça aussi. Alors c'est bien pour moi aussi, mais bon, ça m'emmerde quand même vachement. Parce que c'est quand même vachement une mécanique dont tu aimais profiter de base quoi. Ouais. Non mais c'est loose hein. C'est complètement loose. Mmh. Ouais, focus le cadavre, ouais. Bon, là, il n'y a plus de cadavre. Fight through the fatigue. C'est terrible, hein. Tu sais que la mort, elle arrive, mais... Bah, t'attends. Tout ce que tu peux faire, c'est attendre. Ah. Ça y est, il est en agonie. Attention. Quel coup sera fatal? Pas encore. Fait un dégât. Stumbling and stupefied. Oh le Sten. Bon bah. J'attends hein. Du coup, le crit n'est pas forcément létal blow. Hein. Ah, crise cardiaque. Je suis furtif. Je suis furtif, du coup, il peut pas m'attaquer. J'en peux plus. Allez, attaque, s'il te plaît. Mais putain. Pourquoi elle joue 12 fois là?
Ouais. Oh la strat cancer! Merci. Merci, j'en pouvais plus. Bon bah du coup c'est rip hein. Bon comment ça se passe du coup maintenant? Remain undeterred, and you will yet prevail. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Donc on a gagné 790. Ok, on a gagné des levels comme ça. En fait, finir la run m'a fait gagner des levels. Donc lieu parcouru 253 où j'ai jeté 20. Ah. Donc j'aurais dû jeter toute ma bouffe de merde. Région terminée 250, hôtel oublié 125, combat remporté 150. Ok. Du coup j'ai débloqué la furie, débloqué l'encens apaisant. Un truc qui augmente la résistance au stress. Restaure 10% des PV. Ah, mais ah, de la vraie bouffe. De la vraie bouffe. Résistance au poison. Ok, 25% des PV. Ok, des reliques. Ah, et des reliques. D'accord, c'est des reliques de différents niveaux. Ok. C'est ça, hein. Ouais, ça c'est 20, ça c'est 25. Ouais, ok. Gain s'il attaque en touche, action supplémentaire 15%, ok. Début de combat 50%. Lépreux, les lépreux. On n'a pas encore le lépreux. Mais... Gain on miss. Ah ouais, c'est marrant ça. En cas de miss, tu fais un critique au prochain coup, quoi. Ok. Et du coup, là, j'imagine que... Si j'avance... Stagnant and sprawling. This hellish abyss extends beyond sanity itself. Là, j'arrive à la croisée. Non. Là, il faut que je refasse ça. No comfort awaits you here. Que je run le chapter. Ok. Voilà, et après, je débloque ces classes-là, sachant qu'il y aura effectivement plus de persos qui sont prévus. Position avant, dégâts élevés, saignement, soif de sang. Cheville foulée. Ah merde. Sa cheville est enflée et douloureuse, mais ça ira. Bout de feu. Attaquant mêlée. Bah ouais, ça... Oh, ça c'est bien ça. Lefto, machin. Donc voilà, on recommence avec. Oui, non, mais non, bah du coup, non, c'est plus Dismas et Baristan là. C'est fini. Hein. On qu'on trouve des nouveaux noms. Quoiqu'après, est-ce qu'il vaut mieux pas que je les prenne maintenant parce que du coup. Est-ce qu'ils ont. Oui! Ah, et du coup, je peux voir la liste des prochains skills, en fait. Ah ouais, non, bon, on choisira... Tant pis, c'est pas grave pour le bout de feu. Même si c'est très fort, le bout de feu. Et qu'on espère qu'on aura bout de feu. Attaque distance, plus 6%. Oh, ah ouais, mais on a des... On sait pas si c'est mêlée ou distance. Mais bon, elle est quand même plus distance. Pipelette, tais-toi. Nécrophobe. Il a peur des cadavres et de tout ce qui symbolise la mort. Gain sur chaque coup. Cadavre. Hein? Sur chaque coup, pour un cadavre, c'est de l'horreur. 30%? Je comprends pas. Je comprends pas tout, mais ça a l'air chiant. Assommé. Il a pris un coup trop sur le crâne. Merde. Mais du coup, je garde mes skills, mais je garde pas les améliorations, évidemment. Donc après, je peux les redévelopper. Oui, oui. Ok. Donc, ok, donc tout l'intérêt de jouer le plus possible avec différents personnages, etc. Donc, ah ouais, elle va pouvoir se heal. Hein. Oh! Gain on attaque, soigne de 20% des PV? Sur des attaques? Bon, ok, nécessite 33% de PV en moins, mais. En fait, elle a récupéré le bonus de. Comment il s'appelle là? Le mec qui faisait Vra là. Merde. Le torsionnaire, pas le torsionnaire, le sadique là, je sais plus comment il s'appelait. Un des personnages DLC qui était trop fort dans Darkest Dungeon. Et là, soit 6 PV moins 30 hein, voilà.
Soin de 20% des PV. Ou elle heal pas les gens, mais elle se heal elle, c'est trop fort. Bah, elle pourra en tout cas. Ça, on sait pas, ça va, bouffon, machin. C'est sa nouvelle classe, hein, du coup, je pense. Sauf si c'est la. L'équivalent de la brise bouclier, en fait. Mais bon, je sais pas. On verra bien. Du coup, après, la mitraille. Ah, la mitraille qui a été nerf. C'est vrai qu'elle était déjà. Ouais. Parce que du coup, ça touche que les deux premiers ennemis. Ouvre veine. Ah, c'est voilà, c'est ça le fameux coup qui bleed. Double coup. Waouh, bon. Banditisme. Trahison. Putain, il y a l'air d'avoir des trucs cool qui arrivent après. Hein. Et donc, lui, sa prochain coup, c'est la riposte, quoi. Et ça, c'est bien. Et riposte, et ça, c'est le taunt. Hein. Abandon courageux. Plus 100% de dégâts. Oh! C'est trop fort, ça! Waouh! Ouais, ils ont des skills de ouf! Fin hurlante. Alors, ça, c'est quoi? Ça ignore la furtivité et la résiste. Ça ignore une partie de la résistance à la mort. Ça ignore aussi l'esquive. Ça, c'est comme ça. Ah, et ça ignore un truc, mais on sait pas quoi. Et avancer de 2. Ah, d'accord, ouais. Ah, bah, c'est. Ouais, voilà. Disparition, ok. Ça va te perdre avec ça. La pirouette. Ok, attaque les deux premiers. Hein. C'est fort, ça. Ah, par contre, ça lui met le vertige. Ça lui met le vertige de faire la pirouette. Mais bon. Réparti. Ah ouais. Ok. Putain, c'est marrant. Ah ouais. Bon, j'ai dit que je regardais pas, au final je regarde, hein, mais... Cible plus 2. Oh, c'est trop fort, ça. Bon, alors je regarde les derniers skills, donc forcément c'est méga fort, mais waouh. Dégâts cible variable. Lille 75 of remaining. Ah ouais, d'accord, tu peux... Ok. Trop marrant. Il 10%. À la cible. Et plus 10% par positive token. Ah ouais. Ouh, ça va devenir des trucs... Ça, c'est marrant. Oh, ça va devenir marrant, le gameplay de la médecin de peste, potentiellement. Parce que du coup, tu peux jouer vraiment full sur le côté, je vais mettre plein de dots pour tous les virer d'un coup, ou je vais mettre plein de bonus sur mes persos pour plus les heal. Ça, c'est marrant. Ok, ah, mais c'est le... C'est l'ancien stun, ça. Du coup, maintenant, ça fait vertige et affaiblissement. Ok. Explosion déroutante. Après, ça, c'est que des trucs nouveaux. Ok. Trop bien. Et ça, c'est que pour les 5 persos. Ça va être trop bien. Mais du coup, c'est vrai que bon, là, on n'a pas la Vestale, on n'a pas le croisé. Bon, on n'a pas, du coup, bon, le torsionnaire et la brise bouclier. J'ai plus le nom, désolé, je sais plus. Mais après, en vrai, les autres classes qui sont pas, de mémoire, en tout cas... Là, comme ça, je me dis, mais c'est que des classes où j'étais en mode OZEF. Parce que bon, l'antiquaire, on l'a vu en ennemi. Mais l'antiquaire, j'étais en mode, bon, je déteste ce perso. Oui, il te permet de looter plus, mais je le déteste. L'arbalétrière / artilleuse, j'ai jamais vraiment kiffé le perso. Oui, je pense qu'avec la marque, ça doit être fort, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le chien, le maître chien. Bon, le maître chien. Il est marrant, le maître chien. Mais voilà, bon, c'est vrai que... Il est marrant, mais... bon... Après, c'est vrai qu'on n'a pas, du coup, pour l'instant, en tout cas, de beaucoup de classes qui ont l'air de jouer sur les stuns. Donc, ouais. Voilà. À voir, parce que c'est vrai que lui, il a porté quand même du stun. Après, ceci dit, peut-être que le bouffon, il va faire ça aussi. Hein. Mais par contre... Oh, le bouffon, pour le stress de heal... Enfin, le heal de stress, plutôt... Ça va être trop fort. Ça va être beaucoup trop fort. Enfin, je pense que ça va devenir très utile, du coup. Enfin, en vrai, c'est très marrant, parce que... Donc là, on se base vraiment sur... Tu fais ta run avec tes persos, puis c'est marche ou crève, quoi. C'est tout ou rien. Donc, bon, ça change. On perd un peu, quelque part, du coup, du côté attachement à plusieurs personnages en même temps, mais en fait, tu vas t'attacher à ta team. Enfin... Je pense que du coup, j'essaierai de faire une team différente à chaque fois, potentiellement des thématiques, machin, on verra.
Mais franchement, c'est stylé. Hein. Franchement, en fait, c'est vraiment, ils ont pris Darkest Dungeon, ils ont pris les mécaniques de combat, ils ont pris les persos, le lore, compagnie, potentiellement la suite de l'histoire, et puis bah hop, basta, on te fait un autre gameplay à partir de ça. Ils ont pris Darkest Dungeon, ils en ont fait autre chose. Et c'est très bien, parce que bah en vrai, moi je trouve ça très bien. Je pense que ça va diviser un peu les gens. Parce que pas tout le monde va apprécier ça, et je pense que je vais préférer avoir ce que ça va donner. Hein. En vrai, pour l'instant, c'est à chaud. J'ai pas du tout assez de recul sur le jeu, et le jeu n'est pas fini. Mais je pense que je vais préférer les mécaniques fondamentales, on va dire, entre guillemets, de Darkest Dungeon 1. Le principe même, qui est beaucoup plus RPG-like, team building, etc. Donc, qui est dans Darkest Dungeon 1 que dans le 2. Mais le 2, il a un côté aussi plus nerveux, du coup. Ce qui fait aussi, ouais, que, bon, bah, je pense que, globalement, tu finis tes runs plus rapidement. Et c'est vrai que j'avais vu, hein, qu'apparemment, une expédition était censée durer moins de 5 heures. Là, je crois qu'on aura passé moins de 5 heures. Hein. Mais on aura passé 4 heures. Après, je suis un slow runner, faut pas oublier. Voilà, enfin... Je joue pas très vite. Mais après, surtout, bon, là, je suis dans la phase de découverte, donc j'essaye d'emmagasiner, de comprendre le plus possible pourquoi mes persos, ils se mettent sur la gueule, etc. Je crois que je commence à peu près à comprendre. À peu près. Même s'il y a des moments où je comprends pas pourquoi ils se foutent sur la gueule pour des mobs. Mais bon, petit à petit, je pense que ça va venir, on va finir par y arriver. On va débloquer, de toute façon, de plus en plus d'objets qui vont nous servir dans notre aventure, donc ça va faciliter nos raids au fur et à mesure. C'est, je pense, aussi pour ça que le jeu, il dit... T'inquiète, tu n'y arriveras pas la première fois, ni la dixième. Voilà, donc quelque part, si on améliore au fur et à mesure notre diligence, finalement, à travers nos runs, donc pour les futurs aventuriers, finalement, le cocher de la diligence reste, et les héros partent, quoi. Voilà. Sur ce, cette vidéo est assez longue, bon, j'ai fait un petit bilan aussi de la première run, à la fin, je sais pas... Si, je pense que j'enregistrerai la prochaine run. Mais on verra comment je vous diffuserai ça. Mais je pense que j'essaierai de... Enfin, voilà, je ferai sûrement un truc un peu plus condensé pour la prochaine run. Vu qu'on a passé la grosse phase de découverte, a priori. Voilà. Sur ce, c'était Blue. Prenez soin de vous. Bye bye.